La réunion, la conférence des chefs de BCN est une réunion extrêmement importante pour la France, celle-là comme les précédentes, parce qu'elle permet à l'ensemble de la communauté Interpol de se réunir et d'aborder des sujets principalement opérationnels et techniques qui nous permettent de progresser et de parler ensemble des thématiques les plus cruciales, les plus sensibles qui occupent nos forces de police. Interpol est une communauté internationale, c'est une communauté de policiers, c'est la seule organisation de rang mondial qui permet aux policiers des pays membres, de chaque pays, de se retrouver périodiquement et d'entretenir un dialogue, d'entretenir des échanges pour, bien sûr, dans l'objectif ultime, d'interpeller les terroristes et les criminels qui, eux, se jouent des frontières et utilisent la communauté internationale comme un terrain de jeu assez vaste. La France a été touchée de longue date et encore récemment par une thématique très importante, une criminalité très importante qui est le terrorisme. Et nous sommes donc fortement impliqués dans la lutte contre cette forme de criminalité. Nous le sommes aux côtés de nos partenaires, des pays membres qui ont eu aussi à expérimenter des attaques de ce type. Et cette communauté se rassemble au sein d'Interpol parce qu'Interpol fournit les outils pour mieux coopérer, pour mieux échanger, pour mieux lutter, pour obtenir des informations sur les zones de conflit sur lesquelles nous n'aurions pas un accès possible autrement. Donc, que ce soit en termes de communauté policière ou en termes d'outils à la disposition des pays membres, Interpol est vraiment l'enceinte idéale pour nous, policiers, pouvoir travailler ensemble.